Bonjour à YouTube, bienvenue sur la suite de Golden Sun. J'espère que vous êtes bien installés aujourd'hui. Enfin voilà, j'ai commencé à stream sur NGV vendredi, vous pouvez me retrouver à 15h. Eh ouais, c'est vrai, stress, angoisse, anxiété, je peux m'auto-détruire en 5 minutes si y a un truc qui me semble anormal. Putain, mais en fait, c'est pareil pour moi en fait. Enfin, c'est pas aussi grave, mais c'est exactement ce qui m'arrive, et ça m'arrivait pas avant. Voilà, je pense que c'est de ta faute, voilà, c'est entièrement ta faute. C'est vraiment un enfoiré. Oui, YouTube, parce que ça fait longtemps pour vous, j'imagine, puisque je sors un épisode par jour. Mais voilà, toujours dans la tour de Mercure, Mercure Chrome, Yvan est mort. Le pauvre. Fallait bien qu'il y en ait un qui passe. Et voilà. Je vais regarder en entier dimanche, mais je me suis levé trop tard. Putain, j'en ai marre de ce truc là. Excellent pour mon stream, nice. Il y avait le In Wave avec Rico dimanche, mais dimanche j'étais vraiment, vraiment pas bien. Pas grave. Ah oui, non, dimanche, parce qu'en fait il y avait un ami, enfin on hébergeait un ami et du coup j'ai pas pu mettre le stream. Je regarderai la rediff pour le In Wave de Rico parce que ça, à mon avis, ça va être génial. N'oubliez pas que mercredi on va continuer la petite libre antenne là, c'était assez sympa. Donc j'ai hâte d'y être pour pouvoir discuter avec vous, c'est sympa. Je suis pas sûr quel jeu on ira, mais le jeu a pas trop d'importance, mais je pense qu'on ira sur Minecraft. Comme ça, ce qui est cool, c'est que... Ah ! Celui qui honore la déesse sera quitté. Jusqu'au ciel par les ailes d'une grâce céleste. Ouais, bah avant de la machin, là, je veux récupérer ma vie, ok. Par contre, Yvan est mort, et ça me fait très de mon chier, vous imaginez même pas à quel point. C'est vrai, dimanche prochain. Le jeu a toujours de l'importance. Ouais, mais je pense qu'on ira sur Minecraft. Je vais m'envoler ma gueule. Du coup j'ai bien coupé le... J'ai bien dû couper l'épisode bien vers la fin. Je m'étais endormi sur une anyway. Ah, c'est le pouvoir de Rico ça. Ça tout s'ouvre du sud. Tout fait que tu t'endors. Et que ça passe bien quand même. Hein? Putain, il s'est envolé tu sais. Ça va, tu t'amuses bien? Ouais, c'est vrai. Et là, oh regardez, le phare s'est allumé. Ah mais c'est bien YouTube, ça vous fera un épisode spécial en mode combat. Voilà. Super hein, vous êtes content. En plus comme je suis quasiment sûr qu'on va le perdre. Parce que là, il est toujours mort lui hein. Et je peux pas le ressusciter. J'ai rien pour le ressusciter. On est d'accord. Donne attraper, c'est équipé. Oh merde! Putain! Et voilà, maintenant j'ai attrapé. Le truc qui permet d'attraper les trucs dans les arbres. Bon, ça me servait à rien jusqu'à maintenant, mais je suis bien content de le voir maintenant. Bref. Putain, j'ai rien pour res. Elixir. Non. Voilà, donc je suis bien dans la merde. Je vais faire une sauvegarde. J'ai une sauvegarde dans le jeu aussi. Et il n'y a pas de sauvegarde dans le jeu, c'est marrant. Je dors partout. Et Jeff se moque de moi tout le temps. Si ça s'appelle. Merde! Comment s'appelle la maladie où tu t'endors partout là? Enfin, tu t'endors tout le temps. C'est. Narcoleptique, je crois que c'est ça. C'est trop tard, le phare a déjà été allumé. Un jour tu te feras réveiller par le prochain, ton mignon. Impossible. Le phare ne peut pas s'allumer sans l'étoile de Mercure. Et qui a l'étoile de Mercure? Les pierres élémentaires ont été volées sur le sol. Et oui, évidemment. Donc qui est-ce qu'on va retrouver? Les méchants. Nous dans un village appelé blablabla, ils vont raconter leur vie, on s'en fout. On n'est pas tous des guérisseurs, blablabla, vous avez dit Val? Notre village était là pour défendre le temple du sol, mes étoiles ont été volées. Vous vous souvenez très bien puisque vous avez vu toutes les VOD, évidemment, puisque vous êtes des viewers assidus, hein? J'ai échoué dans ma tâche, c'est terrible. Ah ouais. Et voilà, regardez!
Alors c'est toi, toi? Ces enfants sont encore vivants? Moi je fais une voix de mec pour la fille, parce que voilà. Vous avez fait tout chemin pour sauver Lina et Telos. Ça n'est pas tout, nous sommes après les étoiles élémentaires. En d'autres termes, ils sont venus nous arrêter. Non, pas le choix. Débarrassons-nous d'eux, maintenant, avant qu'ils nous nuisent. Bah c'est facile hein, il nous manque un mec et tout, franchement ça pue. Félixia, attends. Putain, y'a l'autre encore. Oh, Salamandar, ils veulent... J'ai tout entendu. Ils ont eu de la chance de survivre à l'éruption du mont Alpha. Vous avez enduré tant de choses et vous voulez cacher vos vies. Bien, si tel est votre souhait, je vais l'exaucer. Salamandar, tu vas te battre seul contre eux? Non. Quoi? Quoi? J'ai pas dit Salamandar? Non. Oh là, mais oh, bon, alors. Putain, tu brises le RP, quoi. Putain, la loose. Félixia, tu peux pas laisser nos otages m'aider, n'est-ce pas? Hein, c'est vrai. Putain, 2 contre 3, vous avez aucun respect, quoi. Laissez-moi. Ah non, il est tout seul. Je vais pas stream le samedi. Non. En fait, le problème, c'est que le samedi, je sais jamais ce que je fais. Du coup, je suis pas là, ou je suis toujours parti ailleurs et machin, donc je peux pas mettre un stream régulier le samedi. Vous voulez me défier. Je devrais vous donner une leçon, mais. Babel, tu devrais m'obéir si tu veux qu'elle s'en tire. Qu'elle s'en tire ? Nina, qu'est-ce qu'elle dit pour le moment? Petit fragile de merde là, il me souffle. Salut Thomas, ça va? Babel. Bon, les boîtes de dialogue là, c'est fini? Putain, mais direct, non, mais venu poursuivre. Non, mais on les défonce! Tu ne sais pas, tu n'as qu'à faire le stream sauvage, tu n'as rien à faire, t'occuperas. Ouais, on verra bien! Hein? Tom Garrett, ne mourrez pas. Non mais vous avez... Alors, juste Tom Garrett, hein, les deux autres sont pas les couilles et tout. Bon, vous allez me dire, ils les connaissent pas, mais quand même, c'est quand même, voilà. Bon, déjà, Yvan, il est mort. C'est lui, hein. Là, lui. Ah, vous voyez pas la souris, parce que je l'ai enlevé, c'est vrai. Mais bref, il est mort. Ça se voit pas, mais il est mort. Je vais repasser en bleu, ça fait trop de monde en rouge. Mais non, c'est à eux de passer en bleu, pas à toi. Tu t'appelles Red Rubilia, je suis désolé. Je te laisse pas abattre. Non mais on les défonce! Vous devrez faire attention en affrontant. Ferme ta gueule! Les morts parlent pas! Les morts, ça parle pas, ok? Me surpasser, moi? Vous pensez vraiment accomplir un tel exploit? Bah non. Et vous persistez à vouloir vous battre, bande d'inconscients? C'est bon, jeu de couleur. Ah bah voilà, tu vois, trop gentil, merci. Non mais le samedi, vous oubliez, de toute façon, vous avez 4 jours par semaine. Si je... Ah, je veux pas partager, quoi. Bien, je vais vous donner une bonne leçon. Que se passe-t-il? Salamandar se déplace bizarrement. Quoi? La lumière de Mercure a affaibli ma psy-énergie. Bah tiens! Je dois en finir vite. Allez. Bon là c'est de la merde. On va se taper une petite sauvegarde des familles. Comme ça on n'a pas à se retaper tout le dialogue de merde. Mais c'est la merde. C'est la merde parce qu'il me manque un mec. Et que voilà. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. À mon avis il va me mettre la piquette quoi. Comment je suis censé le battre? Sérieusement, comment je vais faire? On va baisser son attaque déjà, voilà. Boum, fièvre, dupé. Putain, il est pas dupé. Et je crois que ça lui a pas baissé son attaque non plus. Ok, donc. Paf. 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 Ok, dupé. Mais j'ai aucune chance là. Là j'ai aucune putain de chance, vous êtes sérieux ou pas? Sérieusement, je fais quoi? En vrai? Oh putain, regardez Sophia! Oh là là, mais je suis tellement mort quoi! Là faudrait que je le tue, mais laisse tomber, il va jamais taille! Alors ça c'est le problème qu'il y a dans le jeu, on n'a pas le PV des ennemis. Voilà, on n'avait pas les PV des ennemis. Du coup, bah.
vrai que c'est un peu compliqué, vous allez me dire, mais. Oh putain, elle est morte. Oh là 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 là. Oh là là là, mort. Bon bah voilà, hein. C'est intéressant, hein. C'est vraiment très très intéressant, hein. Vraiment le combat. Alors là, il faut que Garrett se dépasse, quoi. Comme jamais il s'est dépassé. Putain. Oh voilà, c'est fini. Ah, je me suis fait dépop le cul. 160 pièces pour le ressusciter. Vous avez vu le prix que ça coûte, ce putain de jeu. C'est tellement abusé. Ah, c'est tellement abusé. 200 pièces. C'est tellement abusé ce jeu. Bon. Mais même avec tout mon groupe, comment je les tue? En vrai. Bon écoutez, on va y retourner, on va essayer. De toute façon. Parce qu'au pire, il va falloir farm de l'XP, mais j'ai tellement pas envie quoi. Oui, j'ai fait ce que je viens de faire. Mais. Ouais, vous m'avez tous vu le faire, je sais. Mais qui sait pas, je l'ai fait. Bon bah go, on y retourne. Putain, mais on va mettre 20 ans à y retourner en plus, non? Oh, attendez. C'est ça les RPG. Bah ouais, je sais bien. Mais attendez, 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 attendez. Attendez. Ah oui, attendez. Attendez. On va me prendre pour un, hein, bon. Oh non, elle est malade. Oh non, c'est bon, elle est pas malade. Acheter. Rencontre aléatoire rare. 70 pièces. Déjà on prend ça. Énervé le ban. Quoi? Quoi le ban? Y a un truc là, tu de Sam. Et moi il a été ban, c'est marqué. Nerva a une idée. Attention, ça va faire mal. Ouais. J'en prends un. Voilà, déjà. Le ticket de jeu. C'est toi qui le prends. Prends 50 PV. Voilà. T'en prends genre 5. Allez, 10 parce que je suis un ouf. Tu prends le ticket de jeu. Voilà. Y'a rien pour raise, hein. Ils vendent pas des trucs pour raise les gens. Vous avez vu la difficulté du machin un peu? Il se ban. Mais il a déjà été ban, putain. Là, tu l'as time out. Mais en fait, moi, je vois que le message a déjà été delete. Bref, c'est bizarre. Étrangeté que ceci. Bon, oh, putain, on doit vraiment tous retaper. Sérieux? Attends, du coup, hop là. C'est un repousse. Comme pour Pokémon, vous voyez. Non mais je dois vraiment refaire tout ça. Je peux pas passer par là. Ah non, je peux pas passer par là, c'est la merde. C'est la merde. Moi j'ai cru qu'on allait pouvoir y aller rapidement, mais en fait non. C'est parti, vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Vous êtes sur DigiWave. Récupérateur de talent. Bref, c'est parti. Apprends à compter avec Minerva. Si je croise un mob, je le défonce. 1 1 1. Pourquoi tu rigoles toi? Bah ouais, je le défonce, voilà. Ah, mob! Fuir. Non, ça a échoué, je prends des dégâts pour rien. Putain de merde. De toute façon, faut que je me batte. Faut que je gagne des niveaux, donc je me bats. Par contre, on va pas utiliser ça. Boum! 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 J'en ai marre. Boum et boum. Voilà, j'en ai marre. Mourez les trucs. Voilà, les petits machins là. Ah là, voilà. Boum, boum, boum. Meurs, 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 meurs. Va bien mourir. Voilà. Voilà, nickel. Gadget, tu l'as mis, une speak americano dans la tête. Ça fait 2 jours que je la chante. Ah ouais? Je sais même pas ce que c'est que cette musique alors. Non mais vas-y là, j'ai pas envie de tout refaire. Tac, 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 tac. Ok, go. Ah.
Ah bah ça va en fait. Heureusement qu'on peut courir hein, dans ce truc. Hein. Quand même. Non parce que vous imaginez si on pouvait pas courir en plus, ce serait chiant. Boum. Hop. Hop. Oh, je vais repousser ça. Boum. Repoussage. Boum. Sa musique qui fait Americano, tu. D'accord, la plume sacrée ne fait plus effet. Dommage, ça marchait bien quand même. Oh putain, ça marche. Oh, vous avez vu ce truc. Boum. Non, on va pas utiliser les jeans. Choc, bra. Rima. En espérant que ça le tue. Je pense pas que ça va le tuer. Oh putain, les trois personnages quoi. J'ai jamais essayé de jouer à un RPG sans courir. Ça pourrait être un défi absolument horrible. Je te l'avoue, j'avoue. Je te l'avoue. Bon, au pire, pas grave, on va les. Voilà. On les. Voilà. Hein. Rends les PV. Toi. Ah bah voilà. Là. PV. 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 Non, mais par contre, je pense très clairement que je vais pas réussir à le tuer le truc. Le mob, le méchant. Par contre, la question est... Ah oui, mince. Est-ce qu'on va se retaper toutes les boîtes de dialogue? Parce que si c'est oui... voilà. Et je suis sûr qu'on va se retaper toutes les boîtes de dialogue. C'est obligé. Du parnis. Ouais, rends les PV. Diminue l'attaque des ennemis. Toujours le temps. Ouais, bien sûr. Sommeil, bah tiens. Allez, ça a pas d'effet, ma gueule. Et oui, nous, on n'est pas fatigués. Eh bah non! Ah voilà, mouration! Je les relis à chaque fois. Sauf qu'on sait qu'on va arriver à la fin. En fait, regardez ce que je vais faire. Regardez. Salut Dark Babar, ça va? Bienvenue à toi. Tu es en retard. Installe-toi. On a déjà commencé. Ça c'est moche, je veux fuir. Ça marche pas, pute! Personnage empoisonné. Pute! Faut pas qu'elle crève! Faut pas qu'elle crève! Faut... Oh, mais vous avez vu les dégâts du truc! Oh, c'est sérieux les dégâts là? Vous voulez qu'on en parle? Qu'on se pose un moment pour en parler ou Non, mais police le truc quoi! Police! Désolé, retard. Au moins, il s'est purifié. Purifié. Soin. C'est bon. Oh là là. On doit à ce qu'on donne aux Belges à manger. À manger. Mais attendez, elle était où le. C'était où le truc là? C'était pas aussi loin si. Oh. Meurs. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. À Langer. Non mais attendez, j'ai rien compris. Je sais ce que c'est qu'un boudoir, mais genre c'est pas. C'est pas bon quoi. Enfin un boudoir c'est pas bon. Putain. Ça va parce qu'ils ont gagné des niveaux. On va juste falloir qu'on fasse ça à la chaîne et ça sera très bien. Paf. Rigoler est-ce. Voilà. C'est tout ce que tu as. J'arrive. Attendez-moi. Voilà. Donc là. Regardez ce qu'on va faire. Putain, il est arabe, qu'est-ce que tu fais? Mais vous allez comprendre, putain, calmez-vous. Après tu mets le bébé au fond. Bon, on va se retaper toute la boîte de dialogue, vous êtes prêts? Vous êtes prêts à avoir tapé toute la boîte de dialogue? Oui? Allez, c'est reparti! Putain. Allez, vas-y, grimpe! Donc là, on va faire le truc qui est super, on va spammer le bouton, d'accord? Donc là, je spamme le bouton. Hein? C'est super. Ça ne sert à rien, vous savez, vous avez.
la sensation que quand vous spammez le bouton dans les cinématiques, ça va plus vite. Vous avez jamais eu cette sensation là? Vous savez pas pourquoi, mais vous le faites, ça vous détend. Vous avez l'impression qu'il se bouge le cul plus vite, alors que non! Non, 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 non! Ça ne sert à rien! Ça ne sert à rien! Eh oui! Absolument à rien! C'est pas grave. Bon, vous me réveillez quand c'est fini, hein. Moi je spamme le bouton. Hein. Moi ce que je préfère dans les MMORPG, dans les MMORPG, c'est tous les dialogues. Je me demandais combien de temps. Ah! Ah non, faut peut-être que je récupère ça quand même. Oui, je sais que les dialogues c'est important, mais là, genre, on s'est déjà tapé cette boîte de dialogue. Voilà. Donc là, on va spammer le bouton. Voilà. Donc tous ceux qui rejoignent le live et tout et qui ont pas vu, bah essayez de lire vite. D'accord? Donc là, j'espère que. Là, vous lisez là. Là, voilà. Vous avez vu? Là, boum, hop, pierre élémentaire, bam, vous avez. Hop, moins alpha, tombe de sol, oui. Hop, boum, hop. Évidemment, vous connaissez toutes les soirs, parce que vous avez regardé toutes les VOD, les VOD, les VDOE, les VDOD, les VOD, les VOD, hein? Sur ma chaîne YouTube, www.youtube.com/lunerva, je suis sûr que ça marche si vous tapez ça. Essayez, vous allez voir. Ensuite, vous cliquez sur le petit bouton abonner, comme ça, moi, ça me fait de l'argent, parce que j'aime l'argent. Non, ça me fait pas de l'argent, mais j'aime l'argent. Et voilà. Et du coup, ensuite, vous pourrez retrouver tous les lives en direct. En direct et en différé, et surtout en différé, grâce au pouvoir de la VOD. Voilà. Comme ça, bah, si vous regardez cette VOD YouTube, vous vous dites, oh, mais dis donc, c'est la même boîte de dialogue qu'il y a 10 minutes. Je vais passer la vidéo en avant. Voilà. Et vous auriez raison. Sauf que nous, on peut pas. Mais non, bah, c'est quoi la VOD? Mais c'est très simple. La VOD, ou vidéo on demand, en anglais, veut dire que tu peux prendre ou tu peux regarder une vidéo quand ça t'arrange et où tu le veux. Du moment que tu as un moyen d'aller sur l'internet mondial et de lancer une vidéo. Voilà. Et grâce à ça, ça te permet de voir ou de revoir tes moments préférés de ton streamer préféré. Tu peux aussi... regardez des vidéos de chats. Absolument génial. Ah oui. Ah ça y est. Donc là par contre ce que je vais faire, parce qu'on est full life et tout machin, je vais sauvegarder avant le combat de manière sauvage. Et si on perd, on reprendra. Vous voyez, comme ça. Le problème c'est que là si on perd, c'est qu'on n'est pas assez HL. Vous voyez ce que je veux dire? HL qui veut dire bien sûr haut level. Voilà. Donc file, save, boom. Donc au level de manière hautement levelesque. Et voilà. Donc Vénus, Tyrine, Calypso. Non pas du tout, Jupiter et Calypso. Et là, on laisse le truc faire. Jupiter, boum. 58 PV ma gueule. Prends ça dans ta gueule. Bon lui il va moi. Voilà, oh, vous savez quoi? Moi je vais appuyer sur. Je vais appuyer sur, sur le bouton et puis voilà. Oh putain, regardez comme c'est beau, c'est tellement kawaii! Comme tu expliques bien, il y en a un autre. Ah bah oui! 154 PV! Ok, faut que j'attaque avec de l'eau, parce que ça, ça va rien lui faire. Je suis sûr que c'est une attaque feu, ça va rien lui faire, ma gueule. 86. Et là vous vous dites, mais Nerva, où est donc la vie de ton ennemi que tu es en train d'attaquer? Mais Bobby, c'est très simple, il n'y a pas de vie pour l'ennemi. C'est ça s'appelle démerde-toi Bobby et voilà. Donc là, one shot. One shot les deux. Oh putain, regardez ce qu'il met, c'est tellement abusé quoi. 40 PV. Boum. 59 PV. Boum. 3 PV. 36. C'est tellement dur. Tiens, va explique-nous comment on bat un boss. Bien très simple, Bobby. En fait, il suffit de spammer. Donc ça, c'est de la merde. Somnifère. Inflige des dégâts de froid. Nickel, ça.
On va tenter le somnifère avant qu'il meure. Et toi, tu vas soigner. Attends, est-ce que tu as le... Ouais! Soignation. Oh les... Oh bon, 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 l'esquive de la meuf! Oh là 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 là, c'est le plus beau jour de ma vie là. Regardez-moi... Oh, l'esquive qu'elle a tapé. Oh là là, mais tellement, mais... Ça n'a pas d'effet! Bah oui, évidemment. Donc, du coup, bah voilà. C'était bien ça. Dis-moi, Nirva, comment on fait les enfants? Bien très simple. Bon, ça c'est. Ça c'est. Voilà. Alors, par un ennemi. Très bien. Diminue l'attaque de l'ennemi. Est-ce qu'on continue à les soigner ou pas? On continue à soigner machin là. Non, attendez, je sais ce qu'il faut que je fasse avec lui. Hop. Et là, soin. Et là, il va mourir. Oh, il est pas mort! Allez! Les amis, aujourd'hui, c'est le jour. Combien ça fait ça? 104 PV! Nice! Soigne-toi, même si tu vas die. Du passion. Diminution de l'attaque de l'ennemi. Oh no way, I'm dead! Oh my god! 100 PV. Bra! 42 PV. Ok les amis. On a recalypso par contre, ça c'est bien. Les amis. On va faire ça quand même. Et on va faire calypso. Ouh, 31 PV. Mais là ça va. Par la force du kawaii! Putain, il est pas mort! Regardez-moi ce bordel! Comment vous voulez que je le tue? Sérieux? Oh! Sophia vient de die. De manière instantanée. Il reste plus que Gareth. Comment on va faire? Non mais arrêtez de m'inviter sur LOL, c'est pas le moment. Je suis tellement mort. Tiens, prends ce ticket de jeu! Putain, on va mourir 20 fois quoi. Ok, s'il m'attaque avec les attaques normales, ça se passe. Par contre, il a toujours l'avantage sur moi, et ça c'est chiant. Non mais je suis mort, hein. On est d'accord. Oh putain de sa mère. Là, même si je me soigne encore une fois, il va m'attaquer et je suis mort. Ou alors, 200 PV. Vas-y, go, on fait ça. Là, si Gareth veut me sortir une esquive, c'est maintenant. Hein. Ok, il peut pas esquiver les sorts. Putain, il est pas mort. Noisette. Rendation de tous les PV. Putain, une bonne noisette là. Jijin. Dupe un ennemi. Ok. Boum. Mais meurs. Oh putain, je suis mort. Allez, elle meurt. Oh damn. Oh yes. Oui. Oh oui. Oh my god. Ça va? Non. Tu aurais cru que le phare de Mercure est en utile puissance. Seulement même si l'énergie blablabla bla. Ouais, je t'ai défoncé mon gars. Tu as dit que tu as été FPB, que veux-tu dire? Je n'ai rien voulu dire. Je vais expliquer ce qu'il a dit. Cette voix, c'est pour utile. J'étais derrière depuis le début. Alex? Ça faisait longtemps, Sophia. Alex, tu t'es rendu compte de ce que tu as fait? Ah, bien sûr, j'ai libéré un pouvoir scellé depuis des lustres. Des lustres? Mercure, le phare de l'eau, quelle puissance! Alex, tu es cinglé. Non, Sophia, ne comprends-tu pas? Le phare vous a donné de grands pouvoirs pendant votre combat contre Salamandar. Ah ouais, bah je l'ai pas senti, moi.
C'est vrai, je pouvais utiliser mon pouvoir sans l'épuiser. Ah ouais? Je comprends pas. Le phare de Mercure t'a donné un peu de sa psy-énergie illimitée. Synergie? Tu veux dire que mes pouvoirs viennent de la psy-énergie? Nous sommes tous les camps blablabla, mystique de vous. Sophia est tout de suite mystique, hein? Non. Je sais que c'est difficile à croire, mais on dirait que Sophia est l'une d'entre nous. Ok, donc mon avis compte pas, quoi. Dis-moi, Alex, pourquoi Salamandar n'a pas pu se servir de son pouvoir? Ah oui, je peux vous expliquer. Salamandar est en symbiose avec Mars, le clan du feu. Le feu et l'eau sont des éléments opposés. Et oui! Vous ne savez pas? La petite énergie eau, son pouvoir. Ouais! Salamandar ne savait pas. Putain, il est bien con quand même. Bien sûr qu'il savait. Pourquoi il fait non avec la tête? Je crois que c'est dans ta tête. Un marmot qui braille. Il a mal joué la puissance de ce phare. Comme moi. C'est pour ça qu'on a pu battre Salamandar? Non, il y a autre chose. J'ai observé votre combat à distance. Le mec il était à 2 cm, on a invoqué des dieux, on a fait exploser des trucs et tout. J'étais à 2 cm et j'ai apprécié votre combat. Tu nous observais? Oui, je n'ai pas aidé Salamandar, j'étais sûr qu'il gagnerait. Mais je me suis trompé, vous êtes devenu de grands guerriers en blablabla. Oh putain, c'est relevé. Ça m'entend avec un rang de debout. Voilà. Le feu et l'eau sont les éléments opposés. Oh mon dieu, j'ai appris quelque chose de la journée. Moi battu? Jamais. J'ai perdu contre ce phare, pas contre vous. Je me faisais gagner du temps pour permettre à Salamandar de récupérer sa force. Tu gagnes du temps? C'est pas juste, Alex. Je ne laisserai pas fuir Salamandar. Et vous allez faire quoi? Vous allez achever? Bah oui. Dans ce cas, vous devriez me combattre. Et vu votre niveau, vous n'avez pas la moindre chance. Mais sous notre gueule, quoi. Et je doute que tu sois du genre à achever quelqu'un. Bien sûr, tu es libre de ton choix. Ok. Ils sont pas plus... Oh, il s'était et tout, tricheur. Il s'est téléporté à nouveau. À nouveau? Il l'a déjà fait? Oui, au temps de seul. Cette synergie à téléportation, ça voudrait dire que Sophia peut s'en servir? Ah ouais? Ah non. Non, c'est impossible, même Alex n'avait pas ce genre de pouvoir. Eh bien, je ne pouvais rester Alex que tu connaissais. Ok, cette voisin, vous déployez toutes vos forces de l'univers pour essayer de tuer cette personne. Félicitations, les enfants. J'aime bien les jeux japonais. Je sais pas s'il est japonais. Un Quoxy, en fait, peut-être. Vous allez prendre les étoiles élémentaires? Oui! Ah, dommage, c'est Phoenixia qui les a, demandez-lui. Au fait, vous avez toujours l'étoile de Mars? Non. Je mens, hein. Dites la vérité. Bien, je vous crois pour l'instant. Trop gentil, tu sais. Je suppose que vous voulez poursuivre pour les étoiles élémentaires? Non. Tant pis, j'espère qu'on se reverra un jour. Au revoir. J'adore donner les fausses réponses dans les RPG, ça me fait trop rire. Je teste le jeu jusqu'au maximum. Voilà. Kaamelott est japonais, donc oui, japonais. Ah d'accord. Kaamelott est la boîte de prod qui fait Golden Sun. Mars, on n'a pas pu sauver Lina. Oh mince alors. Je ne mérite pas d'être une guérisseuse. On n'a pas su enlever la du phare. J'ai failli à mon clan, à mon devoir. C'est pas vrai, on peut toujours les avoir, hein Tom? Non. Tu ne nous aides pas! Tu tiens rien! Tant qu'au moins un phare reste éteint. Donc là, vous avez compris le but principal, la quête principale, enfin, qui est bien sûr d'éviter que tous les phares soient allumés. Voilà. Voilà, voilà. Et vous imaginez aussi que le dernier phare avec lequel on va combattre est bien sûr le phare de Mars, où Salamandar et Phoenixia vont avoir leur toute puissance. Voilà! Donc là, je viens de vous spoiler tout comme un gros bâtard. Mais si vous étiez un petit peu intelligent, vous auriez deviné. Bref. Mes habitants, viens à toi, Sophia. Quoi, elle veut venir avec nous? C'est ok. La fontaine sera pleine tant que le phare sera illuminé. C'est un vieux dicton. Ah oui, la fontaine en bas, là, qui soigne tout. Trop bien. Mon cœur balance, mais Emile ira bien tant que la fontaine continuera à fournir de l'eau miracle. Très bien. Emile est quoi? Je n'ai pas écouté.
Ah oui? Nous devrions nous dépêcher si nous voulons les suivre. Ok, on y va. Putain, attends qu'on remonte là. Bon, ça va finalement. On s'en est plutôt bien sorti. Ah ouais, du coup, il est en train de die l'autre. C'est pas le moment de tomber sur des mobs. Regardez, il est tout mort. Parce que comme Tom est mort, et bah du coup, le personnage il est en mode. En train de crever quoi. Je sais plus dans quel jeu ça fait ça d'ailleurs. Pas Pokémon. Oh je sais plus. Et on pouvait pas monter par là dès le début hein. Non non, pas possible. Y a pas de bouton ascenseur réveille-toi quoi. Regardez de l'eau MDR, trop bien. Ouais, poussez-moi. Bouteille vide. Dragon Quest. Ah je sais pas, j'ai un joueur à Dragon Quest. Et du coup ça fait quoi? Rends tous les PV. Mais je m'en fous, je veux ressusciter les gens, ça va me coûter de l'argent. Je vais devoir payer avec ma bourse. La 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 la, je suis trop content. L'argent des abonnés. Sophia! Info, je prends le stream après. Ah ouais? Ah bah reste là parce que je sais pas si je vais faire jusqu'à 20h. Parce que là genre là je vais jouer encore un peu. Là je vais. Non je vais arrêter la soon. Et ensuite je vais faire du Battlefront 2. Le 2. Le 2. Calmez-vous. Je suis désolé. Parce que j'ai le. J'ai la bêta du dernier mais j'ai pas envie. J'ai envie de jouer au 2 en fait. Alors limite on fera. Bon on verra. Bref. Voilà. Voilà voilà. Sauf si vous voulez absolument que je joue à Battlefront. En bêta là, mais sinon je voulais jouer au tout. Voilà, 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 voilà. Tu as l'air bizarre aujourd'hui, Sophie. Comment vous dire? Que veux-tu me dire? Qu'elle va se barrer? Eh bien, je vais partir avec Tom. Allez! Moi je récupère les meufs. Pourquoi il est pas bien en bêta? C'est un débat que j'aurai tout à l'heure. C'est un très très bon jeu, mais il se met pas du tout dans la suite des Battlefront, si tu veux. Mais c'est un très très bon jeu. Mais voilà, genre tous les gens qui aimaient Battlefront 2 et qui se sont dit « Oh putain, trop bien, un nouveau Battlefront », ils sont en mode « Voilà. Elle va partir avec un mob. J'avoue. C'est trop ça. Elle va partir avec un mec mort, tu vois. Putain, t'as Garrett, il tient tout, il tient les trois autres, il les tient comme ça, tu vois. Allez, les Garrett, tout. Même elle, elle est morte, tu vois. Bon, je lis pas, hein, c'est pas intéressant. YouTube, si vous voulez lire, vous mettrez sur pause et tout. Essayez de faire mon mieux et se mettre soigné aussi bien que toi. Bla 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 bla. Allez, laisse-la partir. Bla 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 bla. Pas de soucis, gna gna gna. Allez, go. Allez, c'est parti. On utilise les boules. Pas un peu nécrophile. Donc là ce qu'on va faire, on va ressusciter, on va faire un tour à la forge pour acheter des machins. Et ensuite on va s'arrêter là. De manière tranquillou. N'est-il pas? Oh oui. Je l'aime pour son odeur de composition, ça fure les gens, c'est bien. J'ai refait ça, oui. Alors il me fait trop rire lui. Oh go. Bonjour. Oh, mais y'a rien. Y'a quoi en relique? Vive l'âme, c'est pas mal ça. Ah d'accord, c'est de la merde. Véroupsi. Ah. J'ai dépensé tellement de thunes. En fait, c'est pas des armes qu'il aurait fallu que j'achète. Des armures. Parce que ça, j'en ai tellement pas, mon gars. Relique. Y'a pas de relique. Boost PP, bouclier, là, tiens, armure. Vêtements boost PP, c'est pas mal ça. C'est quoi nécrophile, ça se mange? Eh bien en fait, c'est très simple. Voilà. Voilà, j'ai plus que 152 pièces, donc je peux rien acheter. Là, vous voyez, lui, par exemple, ça m'a mis spam deleted, mais je peux le time out si vous voulez. Boum.
Ah bah il est là, c'est bon, bah, super, on vole mon travail. Voilà, donc là je peux déjà plus rien acheter. Voilà, super. Super, ce jeu, on n'a jamais d'argent. Bon voilà, on va s'arrêter là pour Golden Sun. Et puis c'était très bien, voilà. Donc on va faire une petite sauvegarde in-jeu. In-game et une petite sauvegarde pas in-game. In-émulateur. Et voilà. J'espère que ça vous a plu et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer. Bisous YouTube, à plus tard.